on est tous des potes, on est les ninjas vénères. Si tu vois passer nos potes, c'est que tu trouves que j'ai par terre. Sois pas jaloux de nos styles, on peut t'endoler si tu veux. Mais si tu fais de la rime facile, t'étonnes pas s'il pleut. Merci, vous aurez le résultat à la fin des auditions. Au suivant, les T-Rex. On va leur montrer ce que c'est que la bonne musique. Ah, tu parles de votre hip-hop préhistorique. J'aimerais trop jouer dans le kiosque cette année. Tu m'étonnes, ce serait une fête de la musique géniale. On pourrait pas nous louper cette fois. Je veux pas être rabat-joie, mais le kiosque c'est pour les meilleurs et on n'était pas les seuls. Vous avez répété comme des dingues, vous le méritez. J'ai confiance, moi. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les groupes qui ont passé cette audition. Vous êtes tous formidables, le choix a été très difficile. Voici les 6 groupes retenus. À 14h, les Rolling Chicken. Ensuite, à 15h, les Starlars. À 16h, les Teddy Creepy, les 17, les Dino Psycho. Et pour terminer, les Ninja Vénère. C'est là que la carrière de MC Lunar a commencé. Un jour de la fête de la musique dans ce kiosque. Carrément charmé. Oh ouais, carrément. Peut-être même qu'un jour on jouera sur une scène comme ça. Oh là là. Elle est immense. Trop gros même pour MC Lunar ça. Et pour Boom Squad. Quoi? En tout cas, c'est forcément une superstar. Bon, faut que j'y aille. On se retrouve plus tard pour la répète. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué ce prélude en do majeur de Bach. Hein? Maestro Barenboim? C'était pas bien? C'était exceptionnel, Max. Tu es prêt? Prêt pour quoi, maestro? Pour jouer avec moi à la fête de la musique. Ah! Jouer avec vous sur la grande scène? Il n'y a pas que les rockstars qui jouent devant des milliers de personnes. Fantasy impromptu opus 66 de Chopin. C'est exactement ce qu'il te faut. La fête de la musique est dans 5 jours. Il n'y a pas de temps à perdre. Yo yo, écoutez ce refrain. C'est le gros son du bout en train qui va vous faire chavirer. Et vos têtes, c'est tout. Hey Max, c'est quoi ces fausses notes? Désolé, je suis pas dedans. Je sais pas ce que j'ai. On arrête là pour aujourd'hui. Vous avez déjà tout donné pour l'audition. Vous réfléchissez à votre tenue de scène. On répétera demain. Ah ouais, c'est hyper important ça. Comment je vais m'habiller? Quand on veut devenir concertiste, forcément un jour on joue en public. Mais je pensais pas que ce serait aussi vite. Mais c'est génial Max, tu te rends compte? La grande scène. Ouais, et Léon et Bakary qui vont découvrir que la musique classique c'est ma passion. Youhou! Ça va leur faire un choc, mais ils comprendront. T'es sûre de ça, toi? Mais c'est extraordinaire! Et papa, il aime pas le classique, alors si en plus je suis mauvais... Max, tu ne devrais pas avoir peur du jugement de ton père. Tu sais, il est beaucoup plus compréhensif et ouvert que ce que tu crois. Salut! Vous savez quoi? Je viens d'écouter le nouvel album de Sonic Loustic. Ah, je suis déçu. On dirait un album d'amateur. Tout va bien, Max? Oui, oui. Avec les ninjas vénères, on va jouer sur le kiosque dans le parc. Ah, mon fils, t'imagines pas comme je suis fier de toi. Moi, je vous dis, vous allez tout déchirer. Max, tu dois faire confiance à Monsieur Barenboim. Il ne te ferait pas jouer sur une scène pareille et en public si tu n'avais pas le talent pour ça. Tu crois pas? Je sais pas, le maestro m'aime bien et quand on aime bien quelqu'un, on trouve tout ce qu'il fait vachement bien. C'est pas toi qui disais que c'était des chefs-d'œuvre. Max,
Max, on avait rendez-vous maintenant. J'y arrive pas. Je crois que je suis pas tout à fait prêt. Bon, d'accord. Vous n'êtes pas déçu? Il y a certaines choses qui ne se discutent pas, Max. Garde la partition. On la travaillera plus tard quand la fête de la musique sera passée. Oh. Ah. C'est l'heure de mon interview. Tu viendras me voir jouer, j'espère, mon jeune prodige. Je suis à vous, John. Tu es sûr que tu le regretteras pas ce concert, Max? Le maestro a même pas insisté. C'est qu'au fond, il est d'accord avec moi. C'est super bizarre, oui. D'habitude, il te laisse pas baisser les bras comme ça. Bon, on les colle, ces affiches. Ça va être le concert du siècle. Oh ouais, j'ai trop hâte d'y être. Léon, c'est quoi cette tenue? Moi, même pas, je la trouve méga cool, moi. J'ai fait une pub d'enfer. Toute ma famille va venir. On va leur montrer au jury que c'est nous qu'ils auraient dû choisir. Waouh, elle est quand même énorme, cette scène. Allez, venez. Non, back. Waouh, ça c'est une scène. Le kiosque à côté, c'est... C'est quoi ce truc? Un piano à queue. Bonjour, jeune homme. Ah, le bizarre. Salut. La grande scène, c'est pour le bizarre du manoir. Sur la plage à marée basse. Salut! C'était Max, la fusée, là. Y a un problème? Tout va très bien, au contraire. Dis, mon chéri, tu as vu la grande scène dans le parc? Psst! Monsieur Barenboim! Psst! Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai flippé. J'ai imaginé tout un tas de trucs, mais... je vais le faire. Max, ton désir de jouer a été plus fort que ta peur. C'est magnifique. Tu l'as annoncé à tes amis. Ça va leur faire un choc. Faut que je trouve le bon moment. Hé, les gars, vous savez pas la meilleure? Max, on a découvert un truc de dingue. Ouais, le bizarre du manoir, c'est une méga star mondiale. Il faut que je vous dise un truc encore plus dingue. On est déjà au courant. Je ne serai pas seul à jouer sur cette magnifique scène. Il y aura aussi un jeune pianiste d'un grand talent qui habite dans ce quartier et qui donnera son premier concert en public. Il s'est préparé dans le plus grand secret. Qui est-ce? Ce sera la surprise. Il a pas peur de se taper la honte devant tout le monde. Comment on peut aimer cette musique de vieux? Oh, j'ai trop envie de savoir qui c'est. Et si c'était Basile? Et bien pourtant, j'étais sûr que c'était toi le prodige. T'as la tête à aimer de la musique moisie. Ricardo? Tu crois? Max, il faut que tu leur dises. Tout le monde cherche le prodige inconnu. Ce sera encore plus dur après. On est tous des potes, on est les ninjas vénères. Si tu veux passer nos potes, c'est que tu te couches par terre. Sois pas jaloux de nos styles, on peut t'en donner si tu veux. Mais si tu fais de la rime facile, t'es de pas y pleure. Hey Max, tu sais pas la meilleure? À la fête de la musique, après les ninjas vénères, ta mère veut absolument aller voir le concert de musique classique. Tu te rends compte? Non. À tous les coups, elle va essayer de t'y traîner. Mais toi, tu vas y aller du coup? Oh, j'ai pas envie.
J'espère qu'elle va changer la vie. Ça va, les répètes? Ça fait une heure qu'on est là. Le prodige inconnu, on verra bien qui c'est le soir du concert. Et si c'était un coup de pub? Le bizarre du manoir, il pense qu'il y aura personne à son concert. Alors il a inventé cette histoire. Faut qu'on en ait le cœur net. T'as raison. Go! Bah, attends! Continue, c'est vraiment bien. Il est pas tout seul. Ça doit être le prodige. Oh!